Bien, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu donc Truck RNP, donc Euro Truck Simulator 2002. Euro Truck Simulator 2, pardon, parce que 2002, ça n'existe pas, hein, vous le savez. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec le repaint de mon petit camion. Voilà, pour soutenir le cancer du sein des femmes. Et nous allons aujourd'hui faire un chemin qui passera par Calais-Duisbourg. Donc, comme on dit, c'est la route de la mort. On va y aller chercher donc notre remorque. Enfin, la cargaison, vu que c'est ma remorque personnelle. Donc, on va y aller. On va activer le moteur. On va passer la première vitesse. Et hop, on va y aller. Donc, c'est un repaint que j'ai acheté hier en live. Pour soutenir, comme j'ai dit, le cancer du sein des personnes qui doivent être opérées. Voilà. Sachant qu'il y en a plein qui doivent se faire opérer. Donc voilà. Une petite route comme on dit, mais avec des personnes qui roulent un peu comme des gogoles, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc on va rouler calmement aujourd'hui. On va passer, comme je vous ai dit, par la route de la mort. Pourquoi il fait une bifurcation sur la gauche, lui? D'accord, en plus de ça, il sait pas rouler. Mais l'air de... Ils font quoi Bon bah je vais passer, hein, désolé. Voilà, nous ça va être ici à droite. Bon, bien sûr s'ils avancent. Oh là là, je vous jure. Il avance ou il avance pas en fait? Ah, c'est bon. Voilà, donc on va se mettre ici. Hop. On va vite se dépêcher de reprendre la remorque parce que... Je suis un peu, comme je vous ai dit, sur le chemin du... Le chemin de tout le monde. Voilà. Oui. Sachant qu'il y a du monde, je vais faire un voyage rapide. Je suis désolé. Voilà. Donc, le petit voyage rapide. Et voilà. On va y aller. Ah, quelqu'un. Voilà. La vraie remorque, en fait, c'est celle-ci. Enfin, la couleur de la remorque. C'est celle-ci avec les ailes dorées. Sachant que moi, voilà, j'ai changé dans la couleur que je préférais, donc du gris avec du bleu et du rose. Donc le rose, c'est de base, donc on ne peut pas le changer. Il y en a un qui s'appelle Aldi où je rêve. bah, on va y aller. Là, on va y aller. On regarde s'il y a personne qui essaye de faire du n'importe quoi quand je vais sortir. Voilà, c'est bon. Donc, on va y aller petit à petit. On va passer par la route de la mort, comme je vous ai dit. Sachant que la route de la mort, on la connaît, lui me pique la priorité sur la route. Donc voilà, donc on va rouler tout doucement. Hop, je rêve où il vient. Ah, j'allais dire, je rêve où il passe le feu rouge. Hey, coco, si on avance trop loin. On passe pas comme on dit. Et merde, c'était orange. Et lui, il s'est un peu mangé le trottoir à ce que je vois. En tout cas, on est presque tous avec des Scagnatés et ça, c'est cool. Oh, les Scania, moi, les Renaultais. Et je trouve que c'est les plus beaux de tous. Lui, il se trouve avec un double trailer alors qu'on ne peut pas aller double trailer en Calais. Je vous jure, il y en a des fois.
Hop là, donc je roule doucement parce que si vous regardez au niveau de ma remorque, elle est très sensible. Donc si je vais très très vite dans un tournant, bah, je me retourne. Voilà, donc c'est pour ça que je roule à moins de 60 km/h. Enfin, ici en tout cas, parce qu'ici les 110, on les fait pas. Ce qu'on va faire aussi, c'est cacher tout ce qui est M-tag sur le dessus. Voilà, regardez, vite fait. On cache en fait le petit pseudo qui se trouve au-dessus de la tête. Qu'on peut facilement réactiver avec le F11. Voilà, donc la route de la mort, c'est très simple. Donc ici, ça va être à gauche. Je vais attendre que... Non, c'est bon, il se met derrière moi. Hop là, donc on se colle ici à gauche. Ça, c'est des personnes qui veulent faire des stands. Des stands, pardon. Parce que des stands, ça se dit pas trop. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on va emprunter la route de la mort. On appelle ça la route de la mort. Pourquoi? Parce que y a du monde. Sachant que là, en heure réelle, hein, il est 15h11. Le temps que je fais la vidéo, il est 15h11. Samedi 19 octobre. Et toujours à 16h6, il y a beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de monde. Et c'est très, 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 très chaud de rouler sur la route de la mort. Donc on appelle ça la route de la mort. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de circulation, donc il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Et c'est la route de Calais-Duisbourg en évitant les autoroutes. Voilà, donc quand vous évitez les autoroutes, vous passez automatiquement par la route de la mort. C'est ce que un chauffeur normal ferait. Et c'est ce qu'un chauffeur dans la vraie vie, pardon, ferait. Voilà. Donc on va rouler, comme je vous ai dit, calmement. Hop là, on va un peu freiner parce que sinon on va se retourner comme des crêpes. Hop là. Bah voilà, bah la personne qui se trouve derrière moi, en fait, il a le repaint comme la mienne, sauf que la mienne, voilà, elle a acheté, donc c'est un repaint que j'ai moi et que tout le monde peut voir. Voilà, tout simplement. Vu qu'il y a le style de DLC qui se trouve à l'intérieur. Lui, il dépasse comme un taré. Mais c'est sûr et certain, arrivé à la route de la mort, il va souffrir, lui. Il va souffrir. Par contre, je sais pas combien de tonnes j'ai. J'ai regardé, j'ai 21 tonnes. Oh, il double tout le monde comme ça, c'est super dangereux. Et puis si vous regardez dans mon rétroviseur aussi, vous allez voir que ma remorque passe un peu de gauche à droite. Hop, on va se caler à 90 de toute manière. Si lui il collait la barre comme si on allait lui bourrer dedans. Bon, ici par contre, c'est pas que j'ai pas envie de me retourner, mais si je freine pas, je me retourne. Voilà, sachant que j'ai une remorque assez délicate, on va dire ça. Bah voilà, regardez. Il y en a un qui s'est retourné. Juste ici à droite. Ça va, c'est encore calme.
Normalement, il y a deux, voire trois fois plus de monde. Et donc... Oui! J'adore. J'adore. Il y a du peuple. Allez, quoi. Ah, il a dit mal, hein. Par contre... M'excuser à celui-là qui est derrière parce que je crois que je l'ai fait freiner comme pas possible. Oh, voilà pourquoi je disais la route de la mort. Regardez ce qui se trouve devant. Eh non, il y a quelqu'un. J'adore. Ah oui, bah en fait, je crois que sur la route de Kaledisburg, on peut avoir les doubles trailers, regardez. Ils ont des doubles, certains. Quand celui-là devant moi m'a fait freiner, mais d'une de ses manières. Hop là. Ouais, c'est ça, on peut les double trailers. La voiture pilote. Et il y a aussi des petites voitures simples aussi. Ouais, j'ai du mal avec les 21 tonnes. Hein. On peut pas le nier. C'est un fait, comme on dit. C'est le seul à qui j'ai dit bonjour. Et normalement ici, bah il y a la queue. Waouh, lui par contre, il a du mal à rouler. Voiture pilote, ouais. Ah, comment je suis redescendu! C'est violent. C'est violent de ouf. En fait, le Renault il est cool. Mais en double trailer, je crois qu'il passe pas. Enfin, il a pas une assez bonne puissance pour le faire monter dans les tours. C'est comme on le voit maintenant, hein, comme vous le voyez maintenant. Il a une bonne suspension. Mais sa cadence, pardon, d'accélération est peu avérée, comme on dit. Est très délicate, voilà. Je vais... Oula! Mais l'accident... Ouais, c'est bon, toi. Ah, je pensais qu'il allait le doubler. Je pensais sincèrement... Le pauvre, on l'a vu en direct, quoi. Voilà. Le rose cocu. Ah mince. Ça, c'était un beau rose cocu. Oh là 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 là. Et ça va, moi je suis de 2530. Donc si je vois mon numéro passer 2530 dans le truc, ah bah je suis dans la merde. Non, je déconne. Et là, à mon avis, ça va être le passage du chemin de fer. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Non, ça va, c'est blanc, c'est qu'on peut y aller. Waouh! Ah, et là, à droite, il doit y avoir un admin. Ah non, ça va, c'est un camion qui fait demi-tour. Parce que les admins, en fait, ils aiment bien ici. Hein, la route de Kaledisburg, c'est leur passe-temps. Ils adorent la route pour tous les délits, tous les petits délits que les joueurs font, comme dépasser comme un taré alors qu'il y a beaucoup de circulation, par exemple, ou s'arrêter au plein milieu de la route et faire comme
comme si il y avait personne, quoi, par exemple. Attends, je vais le laisser passer. Parce que j'ai 21 tonnes, quoi. Donc j'allais pas non plus. Oh là là. J'allais pas non plus, vous voyez, le bloquer. Hein. Il va deux fois plus vite que moi. J'ai 21 tonnes derrière moi. Donc, ah, le jeune cocu. On aura vu le rose cocu, le jaune cocu aujourd'hui. Ouais, bon, freiner, pareil. Voilà, j'ai vraiment pas envie de me retourner, quoi. C'est oula. L'autre, il m'a bourré dedans. Mais. F11. 2781. Jerec, idiot. Oh là là, je vous jure. Lui, à mon avis, hein, il va se faire report par les autres. Mais ce qui se... Oula, ouais, d'accord, j'avais oublié que j'avais la sensibilité à fond. Il y en a, il a marqué Hello. Ouais, j'ai pas trop envie de me prendre un camion de face, quoi. Mais qu'est-ce qui me brôle, celui-là? Ah là là, voilà pourquoi je vous dis le route Calais-Duisbourg, c'est atroce. Voilà pourquoi je vous le dis. Enfin, c'est pas atroce en fait en soi, c'est que il ne respecte pas la conduite RP. Sachant que maintenant j'ai entendu, voilà, je n'ai pas, je vais pas affirmer ce que j'ai entendu, mais j'ai entendu dire que maintenant les serveurs de simulation, quand vous venez sur un serveur simulation et que vous grillez un feu, vous faites automatiquement kick. Écoutez bien, automatiquement kick par un modérateur. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Que ce soit aussi votre conduite RP, vous venez sur un serveur RP, donc vous roulez RP. Si vous roulez pas RP, vous êtes kick. Voilà, tout simplement. C'est que les personnes en fait qui ont voté là-dessus, donc dans les modérations, quand vous venez sur un serveur simulation, donc ça se dit bien simulation, donc on simule la vraie vie, c'est ne pas faire de conneries. Voilà, tout simplement, c'est on roule correctement. Si vous roulez comme le 2781 là, bah voilà. Il est pas RP par exemple, hein. Il roule pas en simulation. Il roule comme un péteux. Voilà pourquoi on dit que les administrateurs ont voté entre eux. Maintenant, à voir si c'est vrai ou si je vous ai pas affirmé du contexte. Waouh! Lui par contre, il a du freeze d'un coup, lui. Mais voilà, le mec. Donc 2000. Oh là 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 là. Le mec roule en a n'importe comment. De 1780, hein, encore lui.
Allez, encore lui. Ah oui, il y en a un, il a décollé. Help me. Attendez, je vais essayer de le décoller. Mais... Ah non, c'est impossible. Je peux pas. Oh, le pauvre. Et l'autre, il est... Non, non, il est mal retombé, l'autre. Oh là là, les pauvres, quoi. Juste pour le 2700... 2780. C'est de sa faute pure et dure, quoi. On voit très bien que le mec, en fait, il... C'est un... C'est un trolleur de merde. Et il vient de faire chier tout le monde. Ça, c'est... Voilà, par contre, j'ai réussi à avoir une... un beau saut, quoi. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment... rien à dire. Maintenant, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de modérateur. Voilà. Il y aurait eu un modérateur. Ah bah, le mec, le 2781, il serait plus là. Voilà, il serait plus là. Il y en a un dans les herbes, en plus. Ouf! Lui, il a poussé au dernier retranchement. Et on passe par Bruxelles, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Regardez-moi tout ça à l'avant, là. Oula. Ouais, désolé. Oh, le pauvre, quoi. Ne me dites pas que j'ai perdu ma vitesse dans la... Non, ça va. Monsieur. Jesus. Punaise. Voilà, ça c'est une route que j'adorerais, même si bon, il y a des idiots, je veux dire ça, j'allais dire des abrutis, mais c'est la même chose, des idiots qui ne savent pas rouler, et ça c'est affreux, voilà, c'est affreux en sachant que vous roulez RP, roleplay, donc simulateur, il y en a un, il a abandonné sa remorque, que vous roulez correctement, et qu'il y en a un qui vient, qui vous défonce l'avant de votre camion. Moi, je l'aurais dans les dents, par exemple. Je le sentirais mal. Parce que on joue RP, le mec il roule comme s'il roulait dans un salon arcade, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Le mec s'en fout, il roule comme un péteux. Ah oui, pas mal. Ah, désolé dans le micro. Ah oui, il est buggé en fait le mec. Ah oui, il est totalement buggé l'autre. Et il l'a débloqué par contre. Et il y a personne qui veut aider l'autre. Attends. Oh là 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 là, mais quelle galère, je sais pas pourquoi, mais l'autre là, il va tomber sur quelqu'un. Il va tomber sur quelqu'un et il va partir en l'air. Ça aussi c'est marrant, vous voyez, parce que... Bon, on rigole du malheur de quelqu'un là sur le jeu, vous êtes d'accord. Quand ça vous arrive, je vous prie de croire que vous n'êtes pas content. Vous êtes vraiment pas content parce que ça vous arrive à vous. Maintenant, le mec qui se trouve derrière, il doit se dire putain, c'est pas vrai, tu me casses les... Ouf.
Voilà, bah ça, les mecs hein, qui ne savent pas faire le F7, c'est facile. Vous faites F7, vous faites le chiffre 1 une fois, vous faites entrée. Si vous n'avez pas de souris, par exemple. Bah F7, 1, Enter. Voilà, raccourci, vous êtes directement quitté le truc. Ah non, on est passé par le Luxembourg, d'accord. Voilà, tout simplement, c'est que cette route-là, comme je vous ai dit, il y en a peu qui savent le faire parce qu'il faut avoir une très, très, très bonne connexion Internet et un jeu fluide. Si vous l'avez pas, c'est mort. Si vous n'avez pas une bonne connexion, c'est mort. Si vous n'avez pas un jeu fluide, c'est mort. Voilà. Tout simplement, c'est que il y a beaucoup de choses qui fait que, vu qu'il y a beaucoup de joueurs sur le même endroit de la map, bah, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange des SPF, SPF, SPF. Et c'est très, 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 très dur pour le jeu, enfin, pour votre jeu, pardon, de faire le nécessaire de donner ce qu'il faut. De donner ce qu'il faut. Heureusement que j'ai vu que le mec il me doublait. Oh, mais allez, qui passe. Je sais pas. Il passe ou il passe pas? Ou il s'est bouffé? I got lag. Quoi, je lag? Voilà, mais comme je vous dis. Enfin, je lag. Ça me saoule. Tu rigoles. Le mec qui s'esquisse même pas, quoi. J'adore. Oh là là. Oh là 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 là, je vous jure. Mais ça, voilà, si j'aurais laissé mon F7, j'aurais vu qui c'était. Maintenant, voilà, le mec, à mon avis, il a dû se dire, putain, j'ai un problème de neurone, il fait tout droit, c'est fini, quoi. Le mec, il se dit, laisse tomber. Voilà, ça, par contre, ce que je viens de faire, c'est pour que la voiture ne se bouffe pas les camions. Parce que si maintenant les camions ce serait. Ce serait mis. Donc je vais reprendre ce que j'ai dit. Ce serait mis là où j'étais. Eh ben. Ouais, vas-y, passe. Si je me serais pas décalé, bah, le camion aurait bouffé la voiture et la voiture se serait envolée à 10 000 mètres d'hauteur. Et ça aussi c'est marrant. Par contre, il m'a foutu un dégât de camion. Oh tiens, quelqu'un est sur ma CB. La CB numéro 5. Et je trouve aussi, nous, que les Chanel, pour parler en mode français, enfin que ETS devrait faire, mettre un Chanel, pardon. Que pour les Français par exemple. Ou que pour les Anglais ou les Russes ou quelque chose dans le genre. Et par exemple voilà, moi pour ma compagnie à moi, vu qu'il n'y a personne dessus, je me mets sur la CB numéro 5. La CB numéro 5 qui serait réservée par exemple que pour les Français. Voilà, par exemple, hein, je fais un quiproquo. Que la CB soit que pour les Français en numéro 5. Et que si on se retrouve en français mais sur la CB19, bah qu'on change automatiquement en CB5. Voilà, par grand exemple. Hein. Par grand exemple, je dirais ça. Maintenant, il y en a qui vont dire dans les commentaires, oui mais c'est con parce que si maintenant tu dis, ouais les Français tous sur la CB5, les Allemands par exemple tous sur la CB6. Ou les Russes sur la CB7, bah il y aurait plus d'interaction. Au contraire, il y aurait de l'interaction, il y aurait moins de personnes sur les mêmes channels,
ayant réussi plus de monde qui roulerait ensemble. Et moi, je trouve ça qu'ils devraient faire un style enfin, pas allez, je suis pas raciste dans la phrase, hein. Je veux simplement dire que les personnes qui veulent. Les personnes qui veulent parler entre eux, par exemple, français 5, Sibi, enfin la Sibi devrait être apportée à mauvais fonctionnement du moteur. Que la Sibi devrait être apportée. Waouh, voilà. Wow, il est venu d'où lui? Voilà, que la Sibi devrait être apportée à plusieurs des fins, voilà. Je veux dire ça comme ça. Que les Français sur la Sibi 5, voilà quoi. Mais il y aurait, je trouve, moi maintenant, dans le RP, plus d'interactions au niveau de. Enfin, pour parler déjà, il y aurait beaucoup plus sur le beaucoup plus de personnes qui parlent entre eux, il y aurait beaucoup plus de joueurs qui joueraient entre eux. Et je trouverais ça vraiment magnifique. Par contre, j'ai un défaut de moteur et j'ai un cran qui me passe plus. Voilà, moi je trouve vraiment ça qui serait vraiment kiffant. Mais voilà, je dis une idée qui pourrait être mal interprétée par les uns et mal interprétée par les autres. Je veux dire par là que une personne n'est pas l'autre. Maintenant, moi, je dis que pour rouler avec plusieurs mondes, on devrait faire ce style. Voilà, donner, enfin, assigner, pardon, une CB à chacun. Bon, ceux qui veulent aller sur la CB néerlandais, bah, ils vont sur la néerlandais. S'ils veulent y aller sur la CB russe, bah, ils vont sur la CB russe. S'ils veulent y aller sur une CB allemande, par exemple, bah, ils vont sur une CB allemande. Et ainsi de suite. Je trouverais ça vraiment mieux par contre. Là, je vais rouler en vue extérieure. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai eu quelques petites latences. Donc, je vais essayer de rester le mieux possible en vue extérieure pour ne pas, voilà, bouffer quelqu'un dans un tournant, par exemple, et. De 1681. 2681. Tu rigoles là? T'as le mec qui me bourre dedans, il s'excuse même pas. Oui, bien sûr. Bien sûr, recule sur moi, je te dirai pas. Mais le mec, comment il. Oh là 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 là. Oh, et on va tous tout droit. Attendez, je vais enlever. Regarde. Oh là 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 là. Ça doit être quelqu'un, hein, qui est en train de faire un event, par exemple. Ouais, ça a tout craché un Ivan. Par contre, j'en ai un qui me colle au cul. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah là, ça, hein.
le 1300, le 1395 là, c'est un. Je crois qu'il vient de se faire kick. Non, j'allais dire, c'est un abruti. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il y a une queue pas possible. Et ils essayent de forcer, mais comme des forceurs, quoi, tout simplement. Ils essayent de forcer la sortie à la place de laisser passer les autres. Voilà. Ça, c'est marrant dans le style que on n'est plus là maintenant sur la route de Calais-Disburu. On n'est plus du tout dessus. Voilà, bah tiens donc. Non, c'est pas encore lui. À mon avis, il a dû. Voilà. Il a dû bugger le mec, à mon avis. Il a dû se dire. Je sais pas moi. Tiens, je vais faire exprès de passer sur la gauche pour faire chier mon monde. Voilà. Ou tiens, je vais faire chier mon peuple et passer de l'autre côté, par exemple. Voilà, pourquoi il klaxonne l'autre derrière moi? Ah non, c'est devant, d'accord. C'est devant. Mais voilà, là, il y aurait un admin. Eh ben, le mec, il serait plus là, par exemple. Oh là là, ils vont me donner mal de tête. Ça fait du bien, ça. Mais je vais l'enculer à sec, celui-là. Oh là là, il va nous donner la tête qui tourne à klaxonner comme ça, c'est affreux. C'est derrière en plus, hein, qui klaxonne. Oh, je te jure. Tiens, la voiture, elle est toujours moi, mais elle est toujours là, mais je la vois même pas. C'est où là? C'est quoi ça? Mais qui bande d'idiots! Oh, c'est chaud, hein. Gaga, gaga. Putain, mais il est forceur. Ah, c'est des forceurs de pacotille. Vas-y. Lui, je l'ai laissé passer. Mais l'autre, putain, ça a été un forceur de merde, quoi. C'est. Ah oui, pas mal. Ah, c'est. Ah. Il y en a un, il est passé sous l'univers de Marvel. Oh, mais mince, quoi, c'est pas. Ouais, bon, mec, si tu bouges pas, c'est mort, quoi. Non, tu restes bien derrière. Qu'est-ce qui me fait l'autre? Oh, attends. Ah, c'est pas possible autrement, ça vous voyez. C'est des personnes, hein. Elles s'en foutent d'une de ces manières puissantes. C'est juste ça le problème. Bon, là, c'est pas que j'ai pas trop envie. Ah, mais ça va, y a personne derrière moi.
Là, j'ai juste envie de rouler roleplay, quoi. Mais y en a, ils savent pas rouler. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ils s'en foutent de la conduite RP. Ah, par exemple, lui, il passe au feu rouge. Il passe le feu rouge, le gars. Alors qu'il pense que on ne le voit pas, mais. Voilà. Là, on voit bien que je roule RP, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Mais ta gueule! Je te jure, quoi. Je roule RP et t'as quand même des gens qui viennent te casser les burnes. Voilà. Ça, c'est des personnes qui ne savent pas rouler, par exemple. Oh! Mais c'est pas possible. Comment tu fais pour te casser la gueule là-dedans? Enfin, voilà. Je tiens juste à dire en fait que le jeu est juste pour s'amuser. Si vous venez sur le serveur pour faire chier, ça sert à rien. Voilà. Parce que c'est un jeu de plaisir. Si vous n'avez pas le plaisir de rouler avec des camions par exemple ou avec des voitures, c'est la même chose. Vous roulez, c'est juste ça. Si maintenant vous roulez comme des abrutis, et là je vais le dire vraiment avec des mots qui me. Voilà, qui arrache un peu, qui ferait peut-être mal à plusieurs. Mais si vous roulez comme des trous du cul, ça sert à rien de venir. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Tout simplement rouler, roleplay. C'est juste ce petit truc qu'on demande, quoi. C'est rouler correctement. Vous roulez, vous faites pas de mal à personne. Voilà, vous roulez, vous êtes consentant de la route. Voilà, vous roulez pour vous amuser, pas pour faire chier votre peuple et sortir du lot. Voilà, donc vous roulez calmement. Il y en a qui s'amusent entre eux. Il y en a qui se bourrent dedans. Et ça, on appelle des voitures ou des camions béliers. Et c'est souvent des voitures. Et il y en a qui roulent roleplay, comme moi, comme celui-là qui est derrière moi, comme celui-là qui est devant moi, par exemple. Voilà quoi, le roleplay il a plusieurs façons. Mais il a une façon que vous pouvez tous rouler en harmonie. Voilà. Et pas simplement en mode je vais te défoncer ta gueule et basta. Voilà, lui par exemple. Voilà, il m'a dépassé dans les règles. Bon, pas dans les règles parce qu'il était derrière moi et il a doublé dans un tournant. Mais il a doublé sans me bourrer dedans. Voilà. Tout simplement. Il a doublé dans l'art. Dans l'art et la maîtrise. Enfin. Donc voilà. C'était juste pour vous dire que ce soir, normalement, je live encore et toujours. Le samedi. Le vendredi, samedi, dimanche. De 21 h à dépasser et que je serai content de vous voir. Voilà, tout simplement. Je serai même heureux et satisfait de vous voir. Il passe ou il passe pas? D'accord, il passe pas. Non. D'accord, il passe. Voilà, là, j'ai mis mon GPS parce que vu qu'il y a beaucoup de points, bah voilà, c'est assez. Tac. Et si le mec il roule RP, roleplay, pardon, eh bah, il va attendre à l'extérieur. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est des personnes qui savent rouler. Voilà. Hop là. Donc. Ouais, bon, alors là, c'est pas du tout ce que j'espérais. Hein, on va pas se mentir. Voilà.
On va rester comme ça. Parfait. Bon, on coupe le moteur, on met le frein de parc, on passe la première vitesse pour arrêter de biper et on fait enter. Enfin voilà, donc on a la satisfaction du client, comme on dit. On a eu quelques dégâts qui nous a coûté 3778 euros, mais bon, vu que j'ai un jeu un peu déglingué, on va dire ça comme ça, bah voilà, j'ai déjà le niveau 90, hein, donc les trucs comme ça me dérange pas. Donc voilà. Bah voilà les amis, bah j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un magnifique pouce bleu et un commentaire dans les commentaires et dans la barre d'espace de commentaires. Et moi je vous dis les amis, à la prochaine pour de toutes nouvelles aventures. C'était Polo pour la lutte du cancer contre la lutte du sang cancéreux pour les femmes. Et moi je vous dis à la prochaine. À plus.